Salut à tous, donc je vous avais laissé sur le temple. Je viens d'avoir vision. Et maintenant qu'on a vision, c'est une synergie super utile. C'est pas ironique, hein, c'est vraiment super utile. Vous allez voir un exemple. Hop. Voilà. Dès qu'on voit un truc comme ça par exemple, faire vision. Et surtout, c'est quand il y a des cercles. Cercle de pierre par exemple, ça cache souvent des trucs. Je vous laisse faire le dialogue. Hein. Donc là, il y a que lui pour se foutre dans des situations pareilles. Alors pour l'aider, ah merde, je vois tout. On l'a soulevé. Et là, ce qui m'éclate, c'est que si on regarde bien, il est pas sur le rocher, le gars, il est juste à côté en fait. Ah bah, on n'est pas sorti. Hein. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il nous demande, ça? Ça sera vraiment pour nous faire des dialogues en plus, quoi. Voilà, on a besoin de faire le chemin inverse, c'est déjà ça. Hop. Je suis le bâtard. C'est plus rapide. De toute façon, ça change aucunement le scénario de répondre ou non. Quel que soit le moment du jeu, ça change rien du tout. Enfin, ça change un peu les dialogues, mais l'histoire est exactement la même chose. Il n'y a qu'une seule fin. Là, je fais exprès de répondre non parce que si on met oui, il y a tout un dialogue à la con. Hein. Donc là, on peut encore se régénérer les PP, mais bon. Vu ce qui me manque, je vais pas chipoter. Les directions. Le désert. Voilà, donc dans ce désert, si on marche sur le sable, vous voyez la barre qui monte. Et en fait, quand la barre est à fond, on perd un quart des PV. Donc le truc à faire, c'est d'utiliser vision quand il y a un cercle. Et là, hop, il plonge dans une oasis. Une oasis cachée. Et ça l'empêche de... Enfin, ça baisse la barre, quoi. Mais c'est que quand on marche dans le sable, donc si on marche sur la roche, ça fait rien, en fait. Donc quand on a l'occasion... Oh, putain. Quand on a l'occasion, il vaut mieux marcher sur la roche. Alors là, il y a un jean à pas louper. Mais le problème, c'est que je risque de le louper, justement. Parce que je me rappelle pas du tout où il est. Quand même pas. Bon, le feu, c'est pas très efficace. Hein. Bon, il craigne la glace, si c'est un désert, c'est logique. Thank you.
là encore un cercle de pierre. Ok, une pierre synergie. Bon, je vais pas utiliser tout de suite. Il en résiste. Alors qu'est-ce qu'il y a par là, y'a rien, ok. Là je vais bourriner de sort comme un malade. Il répète toujours la même chose selon le degré de la barre en fait. Donc là je vais me soigner, voilà. Hop. Et on récupère tous les BP. Voilà. Ouais, ça part assez vite la barre. Ils sont vraiment pas résistants à la chaleur. À demi-heure qu'il y a des têtes de porc. Je ne pas à comprendre, c'est comme ça. Un orc, c'est un porc pour eux. Alors, j'espère que je vais pas louper le gym, parce que j'ai déjà fait le désert il y a pas longtemps là. J'avais loupé le gym. Ouais, alors ça, si on saute dedans ou si on s'approche trop de l'espèce de corps de sable mouvant, là, ça nous aspire dedans et on combat le truc. C'est un fourmillon, je crois que ça s'appelle. Alors j'espère que j'ai pas loupé le gym. Hein. Ouais, je vais m'enfuir pour une fois. Ah, parce que si je loupe le gym, j'ai pété un plomb quoi. Alors je crois que j'ai loupé. Je vais retourner en arrière au cas où. Par contre là, vu que le fourmillon là, on le voit pas. Si on passe dessus, c'est comme s'il était pas là en fait. Je vous montre. Là je passe dessus, voilà, ça fait rien. Ah non, il est là le fourmillon, mais il y avait quoi là-haut là? Ah ça c'est assez efficace, vu que c'est... truc de... comment... du gaz d'eau. Alors... ok. Ah merde! Ah, ça a donné de l'XP ça. Ah déjà? Ça, ils sont nuls. Donc ouais, le djinn que je dois attraper c'est un djinn pour Yvan, Jupiter. Alors, est-ce que c'est bien par là? Ah, là il y a un coffre, ok. Ah tiens. Intéressant. Je vais la donner à Garrett. Ouais. Barrage. Ah lui je lui donne toutes les haches, hein, parce qu'il a une gueule de bourrin donc. Voilà, bon là ils vont crever à mon avis. Enfin, ils vont se prendre un quart de PV en moins. Ah ça monte, c'est assez puissant. Et on a même à la fin du jeu, enfin c'est pas, c'est une version améliorée. Hein. Voilà. Voilà ce que ça fait. Un quart des plus grands. Voilà. Un petit soin mineur et puis voilà. Ça suffit.
Ouais, j'espère que je vais pas louper le jean. Hein. Ça va rien en fait. Ah. Ça c'est la preuve que les magies sont plus efficaces que les coups. Oh. Oh merde. Putain, j'ai trop envie de l'avoir ce saloperie de jean. Ça c'est pas vrai. Ça va passer, non. Ah mais arrête de sauter. Ok, c'est pas par là. Non plus. Ah, en fait, je suis con, je crois que je vais pas équiper là, ce truc. Ah, je vais pas équiper, quel con. Ah, si, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Envie de louper le jean. Ah, la dernière fois je l'ai fait, j'ai loupé le jean, j'ai recommencé la vidéo du coup. Oula. Ah, le voilà. Il vient directement. Il passe là. Et voilà, il vient avec un mauvais jean là. Ah, quel con. Ah, il gagne résistance. Qui va s'améliorer plus tard en. Je sais plus quoi. Je connais pas le nom, hein, mais bon. C'est un truc qui augmente la résistance, quoi. Ça vous paraît logique. Ah, la ferme, toi. Oula. Ouais, faut pas se tromper. Hein. Ah, il y a des coffres aussi. Ça c'est assez important quoi. Non, c'est pas là. Ah, ils vont crever là, putain. Heureusement qu'il y a Sophia. Hein. La ferme, putain. Ouais, la synergie est super importante en fait. Parce que. Déjà, elle est indispensable pour continuer le jeu, parce qu'au bout d'un moment on pourra plus passer dans le désert sinon. Et surtout. Pour récupérer des objets et tout ça dans les villages, parce que à chaque fois qu'on voit un cercle, maintenant un cercle de pierre par exemple, ben on fait vision et il y a un truc. D'ailleurs là après le désert je vais devoir retourner, enfin il y a une ville, ensuite je vais devoir retourner au premier village pour récupérer un jean. Pas qu'au premier village d'ailleurs, hein. À plein d'endroits pour récupérer des jeans. Maintenant qu'on a les synergies. Je vous dis, il répète toujours la même chose. Donc là, normalement... Non, c'est pas là. Au bout d'un moment, il y a une cascade de sable. Hein, qui... on peut passer à travers, en fait. Ok. Thank you.
Oh! Ouais, si on touche le bord du cercle, ça l'enlève. Donc ouais, je dis pas grand chose dans cette vidéo, je suis désolé, j'ai pas d'inspiration. Vous me pardonnerez pour une fois. Hop. Et là, oh putain. Le boss. Donc je vais pas le battre maintenant, je vais le battre dans la prochaine vidéo. Je me demande s'il n'y avait pas un autre truc à récupérer quelque part. Si. Ouais. Montre, ça aussi c'est important. Je montre. Ouais, voilà. Donc poids, menthe, ça booste l'agilité définitivement, et ça la chance définitivement. Donc c'est très important, c'est des trucs de stats. Je le montre définitivement, donc c'est pas, ça va pas louper. Encore les noisettes, tout ça on s'en fout un peu, mais ça c'est vraiment important. Voilà, donc je vais vous laisser là, juste à côté du boss. On se retrouve à la prochaine vidéo, j'espère que j'aurai plus de trucs à dire. Et on va se faire un boss. Qui est pas trop dur. Hein. Je vous le dis. Donc à la prochaine, salut.